Wesh les frérots, c'est Tonton Démonexion. On se retrouve aujourd'hui les mecs avec une nouvelle petite vidéo. On est encore au ski. Je suis avec Rémi qui vient de se doucher, ça fait plaisir. Je suis avec Zizou qui vient de se réveiller, ça fait plaisir. Je suis avec Chaussetsu, il est là. Et avec Nadim. Les mecs, aujourd'hui, vidéo très très simple. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Il y a quelques abonnés qui m'ont dit ouais, ça serait cool d'en faire une. Aujourd'hui les mecs, c'est vous qui allez contrôler notre vie pendant 24 heures grâce à Instagram. On va mettre des petits sondages comme d'hab, Zizou tu connais. On va trouver les gages et c'est les abonnés qui vont décider qui fait quoi. Ok. Moi j'aimerais bien intégrer un truc parce que je crois que vous avez tous oublié, mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui a perdu un truc et il devait nous écouter, non? Et ben tu vas devoir obéir à tout le monde. Une journée tranquille comme ça, voilà. C'est banal. Moi j'ai plaisir. Ah oui. Waouh, je l'avais zappé ça. Aujourd'hui, les mecs, non seulement vous allez contrôler nos vies, mais en plus on va contrôler la vie. Je sais tout. Déjà, on va commencer par le petit déj. Petit déj à 11h30. J'ai déjà posé un sondage, ok, tout à l'heure pour le petit déjeuner. D'ailleurs, les mecs, au passage, n'hésitez pas à suivre sur Instagram, ça fait plaisir, bientôt les 60 000. Qui doit manger du fromage à raclette pour le petit déj? Et les gars, vous pouvez voir là aussi, sur un sondage, on peut mettre que 4 personnes. Donc Nadim, tu feras équipe avec Chaussetsu. C'est Rémi, gros. Rémi, si c'est fromage raclette. C'est moi, j'ai un petit vomi pour le matin qui fait plaisir. Et bien sûr, il mange pas le reste, hein. Il y a pas le petit déj, hein. Je vous laisse regarder. Nadim. Mais en fait, c'est pas comme ça. Non, mais pas moi. Ah, bah ça fait plaisir. Fromage à raclette pour le petit déj. Rémi, pour une fois, je pense que c'est le seul que tu vas esquiver de la journée, gros. Non. Je pense que c'est le seul qu'il fallait t'esquiver. Rémi, fromage à raclette, t'esquives, Zizou, t'esquives, j'esquive. C'est Nadim et Chaussetsu pour fromage à raclette. Chaussetsu, tu vas manger avec moi. Exactement. Les abonnés, ils savent pas que je déteste le fromage. Non, ils savent pas encore, ils ont pas encore vu la première vidéo. Un petit bol de lait. Hein? Avec? Non, c'est que. Non, frérot, tu manges que du fromage. Tiens, fromage 3 raclette, régale-toi. Puis sur, regarde, j'ai fait des petits œufs. Oh là. Voilà. On a été acheté. Voilà, oui, Rémi. Bon appétit, mec. Et les gars, vous, bah vas-y, hein. Eh, par contre, vous touchez pas ça, hein. Vas-y. Ah, mais... Nadim, ça passe bien. Quoi? Voilà. Un petit café, je fais un petit café pour quelqu'un. Bisous. Ouais, s'il vous plaît. Rémi, un petit café? Non, moi je suis bien là. Toi, tu prends du lait, c'est réel? Ok, ça fait plaisir. Toi, tu. Un petit café. Kebab. Tu restes dans ton bâtard. Nadim est en train de perdre son âme. Passe bien, celui-là, non? Ouais, croissant, il passe bien. Deuxième pour lui. Mais franchement, le même. Le défi d'après, je lance directement sur Instagram. Celui qui est choisi, il doit se faire une petite séance là-bas, c'est bon? Il y a tout ce qu'il faut. Il y a un élastique, il y a des tractions. Il se fait une séance d'une heure. J'ai une sculpte. Trop la flemme. Frérot, t'as ramené un truc. Ça passe bien, Rémi? Ouais, franchement, ça passe bien, gros. Ouais, ça passe bien. Petit croissant fromage? Regarde, il est content. Il est content, Nadim. J'ai bien mon petit déj. Moi j'aime bien. Et toi? Jou, ça va? Comment la lune? Comment la lune? C'est un truc à vocal. Dis, chauffe pendant 30 secondes. C'est un micro-ondes vocal. Chauffe pendant 30 secondes. S'il te plaît. T'as entendu? Il dit s'il te plaît. Chauffe pendant 30 secondes, s'il te plaît. Bon les mecs, petit déj pris, c'est bon, c'est carré. Chaussetsu, voilà, nettoyer la table s'il te plaît mon gars, tu passes un petit coup d'éponge, tout ça. Elle est bien dégueulasse, regarde ça. Le lit de Rémi, le lit de Nadim. Oh oui, ça me plaît. Tu fais le canapé, le lit de Rémi, le lit de Zizou, le lit de... Tout le monde? Vas-y mec, merci. Rémi, on peut regarder le prochain gage ou pas? Arrête de tricher toi sur le canal. Rémi qui essaie de tricher sur le canal, tu triches pas espèce de chien de la carte. Wow, c'était chaud. Séance muscu pour Rémi qui est à 45%. C'est parti Rémi. Et c'est pas fini là. Si c'est fini. Allez vas-y go. Je vais te donner un débardeur, je vais te mettre de la musique et tu vas. C'est bon? Allez go. On accueille bien les abonnés, nous. T'as vu comment ça fait plaisir? Ouais. Ça va, tu arrives bien? Dépêche-toi, s'il te plaît. Vas-y. Ah non, mais pas lui. Rémi, tu mets le débardeur et les petites séances. Petite séance, c'est parti. Dégoûte. Allez, tu te rappelles la vidéo Fortnite? T'as perdu beaucoup de gages. Il va devoir descendre une piste rouge. Créer un champ de Noé. Il a perdu également. Il va devoir faire un bonhomme de neige à 5 étages. Il va devoir faire une bombe en débardeur short dans la neige. Ouais. Ok. Bon, il y a des gages qu'on pourra pas faire parce qu'il y a pas de neige. Genre sauter dans la neige en slip, etc. Ouais, faire un bonhomme de neige 5 étages, tu pourras pas faire. Par contre, tu peux créer une chanson de Noël. Donc là, t'as une heure pour créer une chanson de Noël. Tu reviens dans une heure et tu nous la présentes. Tu prends un stylo que Zizou il a acheté. Zizou, ils vont servir à un truc. Ouais. Mais par contre, y a pas de feuilles. Qui fait lui? C'est bon ou pas? Chanson de Noël, Nadim. Va te poser là-bas dans un coin, va te poser dans un coin. Il te faut un peu de concentration. Là, tu m'en fais 10 pour commencer. Ok. 1, 3. C'est bon là. Ok, allez, t'enchaînes, pompe. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, tu te relèves, tu fais triceps. Vas-y, go, enchaîne. Ouais. Oh, regarde. Oui, le triceps. Wesh. T'en fais 5 de chaque. Oui. 5 tractions, 5 pompes, tu me fais ce circuit 5 fois. C'est bon, Rémi? Bien mec, continue. Ouais. C'est très bien. Allez, enchaîne. Allez. Traction. J'aime cette énergie dès le matin comme ça là. Chacun fait son activité. Nadim, tu me chantes cette chanson s'il te plaît. Moi aussi je peux écouter. Mais voilà, chanter pour toi là. Ok. On arrive dans le chalet. Après on part dans le ski. Ok. Faut que je la chope. On y va. On est sur la piste. Ronaldo, il vient et il tue toutes les pistes. En vrai, ça va pour le tour de Noël. Encore, chante. Ok. On arrive dans le chalet. Après, on part dans le ski. Ok. Faut que je la chope. Faut que je la chope. On a le il vient et il tue toutes les pistes. Là, dans le chalet. Après, on descend des pistes. On a
chante tout le long tant qu'il a pas fini, c'est bon? Chien. Allez, c'est parti. Je sais tout est clean ou pas? Là, tu peux aller sol. Est-ce que tu peux ranger vite fait l'entrée, genre mettre les paires bien comme il faut, tout ça clean? Je vais checker les chambres, les mecs. Voilà, c'est de ouf. Ok, la pièce de Zizou, c'est carré. Et ça la pièce. Ça va, Zizou, toi? Ouais, ça se passe rien. Ouais, je suis mort. Ouais, c'est normal, ça. Vas-y, on lance le prochain sondage. On met quoi comme prochain sondage? Mais faire une douche, c'est sûr, ils vont dire moi. Vas-y, qui prend une douche la prochaine fois? Ouais. Les mecs, j'ai posé le prochain sondage. Qui prend une douche? Rémi, Zizou, Nadjim, Demo. Non, mais j'ai pas moi. Ok, Rémi, c'est bon la séance? Ça fait plaisir. Est-ce que je vois une différence entre avant et après? Ouais, moi je vois une diff. T'as plus de poids ici. Regarde mon avant après quand j'ai lu. Regarde mon avant. Qu'est-ce qu'il fait lui? Regarde mon avant après. Avant après ta chanson? Oui. Ah oui, mais là, il y a une différence en personnel. C'est pas des lol là. Bon les mecs, on enchaîne avec le résultat du prochain sondage. Chaussetsu, il a nettoyé toute la pièce, ça fait plaisir. Rémi, il a fait sa séance. Et là du coup pour la prochaine, qui prend une douche? Bien évidemment, aucune surprise, c'est à mon pote. J'ai cassé ma série, Zizou j'y vais. J'allais avoir la nuque. Deux conditions, je mets pas de shampoing, je mets pas de gel douche. T'as perdu. Et je reste 2 minutes. Tu fais ce que tu veux, Zizou, vas-y. Allez, je vais rendre ta douche, on t'attend. Allez, vas-y, mec. Ça va bien se passer, Zizou, rapide. On prépare le prochain sondage. Les mecs, pour le prochain sondage, là, juste derrière, là, il y a un petit terrain de tennis. C'est dommage de pas en profiter. Je crois qu'il y a plus de filet, mais c'est pas grave. Pour se maintenir un peu en forme, le prochain sondage, les deux perdants cette fois-ci. Ils vont devoir aller acheter un ballon, alors je sais pas où ils se débrouillent. Ils prennent un ballon et ils vont se faire un petit tennis. Alors, tennis, ballon, tennis, n'importe, c'est bon. Qui doit faire un tennis, c'est posé. A tout à l'heure, les mecs, bonne chance. Zizou, ça s'est bien passé ou pas? Je préfère pas en parler. Alors du coup le sondage ça donne quoi? Tu vas aller taper un tennis, t'as l'air bien content hein, sale chien. Ça dit mais moi wesh. Vous faites rien du coup, vous restez là? Faut que j'aille chercher une balle avec Chaussetsu et Nadjim. En plus je crois qu'il y a pas de filet. Du coup on y va, on vous laisse. Bon bah c'est parti, vas-y mets des chaussures. Nadjim mets des chaussures, on y va. Pendant qu'on va faire un tennis ballon, on va lancer le prochain sondage. Très très simple. Les mecs en fait là on est dans une maison, nous. En gros ici je pense c'est plein de locations et les gens bah ils prennent leur petit chalet. Et nous on est pile à l'entrée. Les mecs je vais mettre un sondage. Le perdant de celui-ci il va devoir se mettre en caleçon là. Faire un long tour de tous les quartiers et revenir en caleçon. Et avec des chaussures? Ouais, caleçon chaussures. Je mets tout de suite le sondage, les mecs. On va faire un tennis ballon et on regardera juste après. C'est parti. Soyez actif un peu. Jouez bien. Genre, faut pas que juste on rentre et on vous voit exactement dans la même position. Allez, on se casse. Alors, qu'est-ce que ça va être notre planning pendant qu'ils sont pas là? Moi, je pense que je vais aller dormir 10 minutes. Ok. La douche, elle m'a fait mal à la tête. Donc là je vais dormir aussi. Je vais regarder Sacha. Puis c'est déjà pas mal. Viens on fait un concours de celui qui fait le plus rien possible. Ok? Ok. Ok allez. Ça commence maintenant. On vient d'aller acheter les ballons à l'Intermarché. On n'a pas eu de ballon de foot malheureusement, ils en vendaient pas. Là il pleut, le temps il pue le caca. On n'a pas eu le choix les mecs, il n'y avait que ça à l'Intermarché. Nadjim c'est parti, faut qu'on aille se faire un tennis sous la pluie. Sous la pluie sans filet de tennis. Eh j'en ai marre frère. Tu fais quoi là? Les gars, on va se faire un tennis sans filet, on n'a pas le choix sous la pluie. Ouais, vas-y toi. Faut qu'on fasse au moins 5 échanges. Je me sens vraiment pas bien. Avec la douche, j'ai attrapé une insolation. What? J'aurais pas dû la faire, je le savais. Mais du coup, je me suis réveillé et je vois plus Rémi. Je sais pas où il est passé, donc on va aller partir à sa recherche. Tant qu'on n'a pas fait 5 échanges, on reste là. Une. Ok. Je pense qu'on va rester là toute la soirée. Oh mais vas-y ça y est frère. J'espère que Rémi et Zizou font un truc bien concret comparé à nous. Bon les gars, je vais aller voir ce que fait Zizou. J'espère qu'il fait pas un truc de fou parce que sinon moi ça va m'agacer. Alors, je voulais te prendre en surprise pour voir ce que tu faisais. Mais gros, je t'ai dit quoi? Ah oui non mais toi tu rigoles pas toi. Bien sûr que non. Une. Deux. Ouah j'ai fait une balle de ouf. Trois. Quatre. 5 6 Wesh. On va dire qu'on en a réussi une. Allez les mecs, on rentre. On va voir qui va courir en caleçon. T'as pas bougé espèce de gros sac. Non c'est une dinguerie. Gros tu me saoules comme type. Rémi. Attends on voit plus rien à la caméra là. Salut Zizou. J'ai tapé une insolation. Non. Ouais. Mal à la tête, j'ai mal aux yeux. Non. Il a une insolation ouais. On regarde les résultats du sondage. Non c'est bon. Allez. Bon les mecs, on découvre les résultats de qui court en slip. Donc qui doit faire un tennis. Donc voilà. On voit plus rien à la caméra mais c'est pas grave. On va assez bien voir. Caleçon entre les maisons, il est pour Rémi. 52% Rémi. Nadjim, 28%. Tu te prépares, on te regarde d'ici. Pour le prochain, les abonnés contrôlent l'eau de vie, j'en ai un très très bon les mecs. Oui Rémi. Ah, il pleut. Bah oui.
qu'il n'a pas le droit d'y aller, gros. Tu sais qu'à tout moment, on se fait défoncer, gros. Il est tellement long. Le tour, il est super long. T'imagines, tu regardes par ta fenêtre, tu vois ça. C'est une dinguerie, non? Ah, il a coupé. Oh, il a coupé le chien. Oh, il a coupé. Non, le valide, il faut pas qu'il tombe malade non plus. C'est comment? Il faisait bon? Il y avait une famille qui m'a regardé, je suis parti moi. Le prochain, c'est vraiment celui qu'il faut éviter. Hop, petite photo de tout le monde. Qui devra faire une descente en luge? Juste une seule. On va à la station, il demande de louer une luge, il fait une descente et on rentre. C'est envoyé en story. A tout à l'heure, les mecs. Ils vont tous me mettre. Profitez un peu de ce temps de repos tranquille. Voilà, faites un petit mi-cadeau. Faites-vous plaisir, les mecs. Attends, je vais voir. Voilà. Moi, arrête de tricher, toi! Mais j'ai le droit de voter! Allez, votez pour Nadim. 100% qui là? T'as voté pour Nadim? C'est quoi, je vote pour Nadim aussi? Quoi? On vote tous pour Nadim, c'est quoi? Ah, ouais, votez pour Nadim, moi. Votez pour Nadim. Il est 14h30, je vous propose un petit goûter. Tu goûtes? Chaussée tout, j'ai pas trop envie de te voir là. Tu peux aller manger sur la table dehors? Ouais, c'est vrai. On prend un goûter, mais toi tu vas prendre un goûter dehors, gros. Regarde, il y a une table là-bas. Tiens, là-bas, il y a une table, gros. Ah, tu vas prendre ton goûter, tu vas le manger dehors. Vas-y, laisse. Vas-y, tu peux te prendre un petit bol de céréales? Vas-y. Mais tu vas le manger dehors. Allez. Merci. Tu pourras me gratter les fesses. Oh shit! Moi, je vais me regarder un petit film. Un petit film quoi? Je sais pas, un film d'action, un truc comme ça. Allez, on se met un petit film. Qu'est-ce que tu te regardes comme film? Ouais? Au moins, t'es au chaud, toi? Moi, je suis bien. Pas comme un autre. Wesh. Ça va, t'es bien? Carré? Ouais. Il est bien là. Mec. Allez, ouvre les sondages. Les sondages. Ils vont découvrir? Ils vont découvrir les sondages. Nadim, t'es prêt? T'es prêt pour les sondages, Zizou? Qui ça va être? Pourquoi t'es content comme ça? Vas-y, vas-y. Celui qui devra faire une descente en luge. C'est Nadim! Nadim. Et vu que Nadim est lié au frérot Chaussetsu. Le pire truc. Bon? Juste une descente, c'est même pas deux. Vous faites une descente et vous rentrez. Là, Zizou, il est tranquille depuis le début. C'est quoi, prochain sondage, je refais une. Ah ouais, vas-y. Ah, je balance le prochain sondage pendant que vous allez faire de la luge. Allez, c'est reposté. Pendant que vous allez au ski. On retourne à l'endroit où on était, au ski, pour une descente. Nadim, mais vas-y, arrête, frère, tu vas faire un trou dedans. On va louer une luge, ils vont faire une descente et on se casse. C'est parti. Vas-y, bah les mecs, prenez la luge. Est-ce que vous êtes chaud? Pour une fois, on fait un bon défi qui fait plaisir. Regarde, il y a la luge d'été là. Regarde, les gens ils descendent dans la luge d'été. C'est incroyable ça, mec. C'est bon? Je mets un sondage. Vas-y, je mets un sondage qui descend la luge d'été. S'il te plaît. Et mon rêve, ils font sur des gens où ils sortent de la piste. Ils avancent pas, ou ils sont trop gros. La pire descente de la luge. En vrai, je pense grosse sensation, non? Oh, en vrai, hein. En vrai, grosse sensation. Ah, vous kiffez les sensations fortes? Incroyable. Moi là, il y a un truc là, j'ai envie de me faire. S'il te plaît. La luge d'été, on vérifie? Vas-y, viens, check. La luge d'été sera faite par Nadim. Vas-y, frère. Lâchez-le là. Nadim et Chaussetsu qui retournent. Mais ouais, du coup, c'est les deux. C'est encore les deux qui retournent. C'est qui le deuxième? Le deuxième, c'est moi. Prêt, allez, on dit les deux premiers. Allez, on dit les deux premiers. On dit les deux premiers, allez. Allez, allez. T'inquiète pas, nous va bien s'amuser, toi et moi. Ouais, c'est chiant. Zou, il y a une douche qui t'attend. Lâchez Nadim, frère. En rentrant. Comment ça? T'as encore perdu une douche. Ouais. Reprendre une douche. Non, mais gros, oh, la première. 48%. J'ai eu une insomnie. 48%. Laissez-moi tranquille. Tu fais une hypothermie là. Allez, c'est parti, les mecs, luge d'été. Ça y est, les mecs, on est parti. Là, il y a une petite montée jusqu'au bout. Là-bas, je sais pas si vous les voyez. Ils sont là-bas. Il y a Rémi derrière moi, ce chien, il est monté en scred. Qu'est-ce que tu fous là? T'étais pas dans le vote. Bon, les gars, l'objectif, c'est de pas faire tomber la caméra. Sinon, il y a plus rien du tout. Si je tire en arrière, ça stoppe. Si je mets en avant, ça fuse. Let's go, baby. Bon, on va voir les mecs si ça va vraiment vite. Ah, ils sont partis, les mecs. Vamos! C'est Nadim qui crie. Let's go, poignée à fond. On lâche pas. Ah gros, moi je lâche pas le truc, t'inquiète même pas. Les gars, je sais pas si ça peut lâcher en vrai. Je sais pas si je peux m'envoler. Est-ce que si je ralentis pas, je meurs ou pas? Attention, ah, ils disent quoi? Attention virage. Ah oui, quand même, ils disent attention virage, les gars. Pour éviter de mourir,
Il y a des endroits où ça freine tout seul. Les mecs, je pense, ils savent qu'il y en a, ils auraient jamais freiné, ils auraient pu s'envoler. Donc il y a des endroits où il y a un petit frein en faute automatique directement pour pas que tu meurs. En vrai, c'est lourd, non? Mais il y a des endroits où ça freine tout seul. T'as vu? T'as vu, ça freine tout seul des fois. Ouais, c'est chiant. Ouais, t'étais dingue. Au suivant, sondage suivant, les mecs. Mec, on est de retour à l'appartement. Rémi, comme d'hab, sur le canap. Le frigo Mathieu, il est hal. Nazim, il se fait un avec la balle du chien. Et Zizou, la douche, c'est maintenant jamais. Prends un slip. Nadim, comment se passe les chaussettes jusqu'à maintenant? Je pense que là, dans quelques heures, elles vont devenir vraies. Je pense que là, les souris, elles vont prendre vie dans quelques minutes. Faut les lâcher là, c'est chiant. Ouais, je pense que là, à la base, elles souriaient, je crois. Là, elles sont en train de pleurer, gros. Allez, fais-le. Ah, je sais tout. Frérot, ce soir, tu t'occupes du repas? En fait, je te pose pas la question, genre, tu t'occupes du repas. Ok. En attendant que Zizou se douche, Rémi. Bon, au coup, tu dois être moche comme ça, c'est terminé. Non, t'as rien. Regarde, tu touches ma main. Ouais, mais tu t'es mouillé la main. Allez, Zizou, vas-y. Une alternative, je rentre dedans habillé et je ressors. Ok. C'est bon? Ouais, parfait. Allez, retour habillé. Faut que je change d'habit. C'est ça, vous habillez. Ok. Mathias, Mathias, bro. C'est Mathias. Ça, c'est pas le choix, tu t'appelles Mathias. Non, je suis pas Mathias. Hein? Quel sondage? T'as mis un sondage? Ok, viens. J'en choisis un ou deux. C'est bon, moi. J'ai un rat de goût. T'es prêt? T'es en train de dire ou pas? Les gars, dites-vous que ce type là, c'est spige. C'est bon, ressors, gros, c'est bon! Tu veux doucher là? Ouais, c'est bon, gros. Je remets un sondage qui se douche. Je douche après, c'est bon? Je vais vous démarrer, les mecs. Il doit reprendre une douche. Un par un. Complètement ouf, ce mec, les mecs. Le frérot, il commence déjà à faire la cuisine. Moi, je balance un sondage direct. Qui doit manger plus de fondue que les autres ce soir? Les abonnés n'ont toujours pas l'info que Rémi déteste le fromage. S'ils votent pas pour toi, tu peux ne pas du tout en manger. S'ils votent pour toi, t'es obligé d'en manger. T'es suivant. Sacré chien, Rémi. Qui doit manger le plus de fondue que les autres? Oh non. Rémi. Non, Rémi, c'est toi. Non, t'as triché. Rémi, faut que tu manges le plus de fondue que les autres. Mec, le repas est servi. Oh yeah. Let's go. Tu nous as fait un truc de chef là, Mathieu. Les mecs, le repas est servi. Nadim, ça sent bon ou pas? C'est moi cette odeur de fromage là. Ça tue. Rémi, tu as perdu le sondage. Tu prends une petite pomme de terre, tu enroules un peu de fromage. Déjà, je sens. Regarde, Rémi. On a pekinia. On a pekita. Bon, les mecs, c'est une fondue pas trop fondue. Rémi. En vrai, ça va. Papier pour vomir. Bah, mange au-dessus du frigo. Mange là. C'est bon. Non, mais je vais dégueuler. Bah, comme ça, c'est dans le lit. Oh, il y a un chat. Il veut rentrer? Vas-y, c'est mignon. Tu vas pas le faire rentrer, frère. Fais-le rentrer, Rémi. Arrête, non. Un jour, Rémi, tu vas aimer le fromage, vas-y. Yes! Bouge-toi le nez. Faut que t'arrives. Allez! Et après, tu pourras manger. Allez, tu mâches. Bouge-toi le nez. C'est bon! Il tremble. Allez, Rémi, c'est bon, Rémi. Tu arrives, tu es prêt, tu pourras manger toute ta vie. Là, tu sens pas. Voilà. Oui? Prends un peu d'eau s'il faut. Ouais, vas-y, prends un peu d'eau. Ne débouche pas le nez. S'il te plaît. Ne débouche pas le nez. Tiens. Prends l'autre main. T'es bon. Tu lâches le sac. Je prends le sac. Rémi a mangé son premier bout de fromage, vas-y. Non. Attends, je te bouche le nez, tu bois. Attends. Je te bouche le nez, tu bois. Ah. Vas-y. Plus fort. Vas-y, c'est bon. Vas-y, bois. Tu bois là, faut que tu fais quoi? Vas-y, bois. Il arrive pas à bois. Bois. Bois encore. Vite, bois. Cul sec. C'est bon. Attends, je dois régler. Non, arrête. C'est bon. Rebouche-toi, viens. Il l'a fait. C'est incroyable. Il l'a fait. Nadim, est-ce que t'es fier de ton frère? Laisse le chat, toi. Attends, viens pour fêter ça, on ouvre le chat. Non. C'est bon. Pas juste ouvrir ici. Il a vraiment souffert. Vraiment. Sachez les mecs que là Rémi vient de faire un énorme sacrifice. Pour ça les mecs, on explose les pouces bleus et on s'abonne, c'est pas encore fait. Rémi, c'est toi l'homme du match aujourd'hui. Oh là là. C'est toi l'homme du match. C'est la première fois que je mange du fromage. C'est toi l'homme du match. Je pense que là ça va être une belle fin de vidéo, non? Nous on va aller manger tranquillement. Merci au frérot Chousetsu qui a fait à manger. Ok. Tu débarrasseras du coup à la fin aussi. Bon appétit. C'est parti pour manger. N'hésitez pas les frérots à casser les petits pouces bleus. À vous abonner, c'est pas encore fait. Et puis les refs, je pense que c'est la fin du séjour au ski. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres petites aventures. J'espère que vous avez kiffé les mecs. Le petit séjour au ski. Oh yeah. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao les frérots.